Ah oui, tout le monde est installé. Hein. Tous les PowerPoints sont enregistrés. Oui, il a tout est installé. On a, les 4 PowerPoints sont installés. Les 4 sont copiés. Ah. Oui, parce que j'ai... Moi-même, je me suis interrogée parce que radio et TSF, je me disais, tiens, je ne savais pas que c'était la même chose. Disons TSF. Sans fil. Comme chaque année, nous réunissons les 4 sociétés savantes de la région Centre et vous s'efforcez de traiter le sujet proposé par les rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire cette année Eureka. J'avoue qu'Eureka, dans un premier temps, ça m'a semblé, bon, exotique non, mais difficile en tout cas. Et puis, après avoir fait appel à tous mes collègues, finalement, j'ai reçu des propositions, comme d'habitude, alors que je craignais de ne rien avoir et d'être obligé de m'y coller, il faut le dire. Et puis donc tout est bien. Et nous allons donc commencer par le XVIIe siècle et par la société savante chartraine, puisque Juliette Clément se propose de nous parler de Séverin Pinault, un chirurgien du XVIIe siècle, dont franchement j'ignorais tout. Et puis elle m'en parle. Et je vais aussi à une exposition au centre de la Renaissance à Tours. Et qu'est-ce que je vois? Les publications de Séverin Pinault. Alors Séverin Pinault est donc en passe de devenir un homme célèbre, ou à peu près. Donc je te cède la parole, Juliette. Ils ont les originaux, les oui, ouvrages originaux. Absolument. Super, super, super. Eh bien, merci Colette. Ça va pas? Oui. Et là, ça va? Ça va? Oh, bah, oui, voilà. Eh bien, après cette merveilleuse présentation, hein, parce que vraiment, tu as frappé dans le mille. Oui, effectivement, moi, j'ai connu Séverin Pinault un peu par hasard aussi, parce que j'avoue que avant 2016, je ne savais pas qui c'était non plus. Le 19 novembre 1916, excusez-moi, le 19 novembre 1616, Séverin Pinault, chirurgien du roi, inaugura solennellement l'amphithéâtre Saint-Côme, premier bâtiment dévolu à l'enseignement de l'anatomie et de la chirurgie, avec une salle d'assemblée qui servait aux leçons, aux démonstrations, aux pratiques de l'anatomie et de la chirurgie. Ce modeste théâtre d'anatomie, c'est le nom qu'on utilisait à l'époque, annonçait le majestueux amphithéâtre du Collège de chirurgie conçu par Charles et Louis Joubert en 1696 et ensuite l'Académie de chirurgie dessinée et bâtie par Gondouin en 1770. L'inscription de cet événement dans les commémorations nationales de 2016 m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce chirurgien chartrain et je me suis aperçue que sous plusieurs aspects, carrière, travaux, écrits, son parcours répondait bien aux critères requis par le thème des 20e rendez-vous de l'histoire de 2017, Eureka, inventer, découvrir, innover. En effet, avec la découverte d'éléments physiologiques non encore observés en matière d'obstétrique, avec l'invention d'une technique nouvelle dans la pratique de l'accouchement, et avec l'innovation d'une pratique en chirurgie urologique à haut risque,
d'ailleurs interdite dans le serment d'Hippocrate, le petit chirurgien Chartrain se trouvait au cœur d'un réseau dynamique, professionnel et familial, d'autant que la concurrence était extrêmement rude avec la corporation des médecins parisiens, toutefois compensée par une faveur royale constante sous plusieurs règnes. J'essaierai de vous montrer, par conséquent, l'action de Séverin Pinault en faveur de la construction du premier amphithéâtre de chirurgie et d'enseignement de diffusion d'une pratique de chirurgie urologique à haut risque. Ensuite, je vous parlerai de ses découvertes en matière d'obstétrique et de l'invention d'une technique nouvelle adaptée à certaines situations embarrassantes au cours de l'accouchement. Voilà. Alors, action en faveur... Pardon. Voilà, donc Colette, voilà un frontispice que vous avez dû voir en vrai, et c'est ce que vous avez, envoyé. Voilà, voilà le frontispice d'un des ouvrages de Séverin Pinault, dont j'ai recopié les éléments à droite pour que vous puissiez les lire plus facilement. Alors, action en faveur du premier amphithéâtre de chirurgie, innovation d'une pratique de chirurgie urologique à haut risque. L'édifice qui se trouve 5 rue de l'école de médecine aujourd'hui, ancienne rue des Cordeliers à Paris, avec sa noble entrée et son étrange bâtiment coiffé d'un dôme, actuellement occupé par l'Institut d'anglais de l'Université de Paris 3, a été bâti pour être le siège de la communauté des chirurgiens, dont les écoles avaient pris naissance dans ce lieu, à l'ombre de l'ancienne église Saint-Côme, depuis démolie. L'exercice de la chirurgie à Paris appartient jusqu'en 1660 à deux communautés de gens de métier, les barbiers, qu'on appelle aussi chirurgiens de robe courte, et les chirurgiens jurés, qu'on appelle chirurgiens de robe longue. Depuis 1311, sous le règne de Philippe le Bel, nul homme ou femme ne peut s'intituler chirurgien ou chirurgienne s'il n'y a pas été autorisé par le chirurgien juré du Châtelet, et les chirurgiens doivent se soumettre à la faculté. En 1494, les barbiers se rapprochent des médecins et les régents leur donnent un enseignement en français. En 1515, arrivée de François Ier, ces derniers font allégeance à la faculté de médecine pour jouir de certaines exemptions fiscales. Puis, par les lettres patentes de janvier 1544, reçoivent du roi des privilèges fiscaux semblables à ceux de l'université, en échange d'une consultation gratuite aux malades indigents le premier lundi de chaque mois. Par une sentence du prévôt de Paris homologuée par l'arrêt du Parlement du 2 avril 1554, les chirurgiens bâtissent un appentis dans le cimetière de l'église Saint-Côme afin de disposer d'un local pour leurs consultations. Et ils y élèvent ce qu'ils appellent une salette, un diminutif de salle, une petite salle, une salette, afin de s'y livrer à leur dissection et à leur démonstration chirurgicale. En 1571, les chirurgiens demandent que les barbiers dits chirurgiens de robe courte ne soient pas considérés comme disciples de la faculté. Ensuite, ils demandent le droit d'enseigner et sollicitent du recteur d'être agrégé à la communauté du corps de l'université. La demande est rejetée, ils s'adressent au roi qui leur adresse des lettres patentes favorables. En 1577, on assiste à la contre-attaque de la corporation des médecins qui essaie de s'opposer à ces velléités d'indépendance en leur piquant la clientèle, c'est-à-dire en assurant eux-mêmes des cours de chirurgie pour les priver d'activité. Mais, encore une fois, les rois sont fidèles aux chirurgiens et en échange de la soumission à la faculté, nos chirurgiens conservent leur droit d'enseigner et voient rapatrier leur clientèle d'étudiants. En 1608, le roi Henri IV, les règnes se succèdent, accorde au chirurgien Séverin Pinault 6000 livres afin qu'il pourvoie à l'instruction de 10 jeunes aspirants en chirurgie sur une opération bien particulière,
uniquement sur celle-là, l'opération qu'on appelait de la taille, qui consistait en l'ablation d'un calcul vésical dans la vessie. Au terme d'un contrat, donc passé en bonne et due forme le 14 août 1608, etc. Donc, Pinault arrive, entre en scène vraiment de façon spectaculaire à Paris avec cette faveur. Il obtient d'abriter ses premiers élèves donc, et ses démonstrations de chirurgie et d'anatomie dans la salle d'un collège d'Inville qui se trouve le long de la rue des Cordeliers, donc c'est le quartier où ils vont s'établir pour toujours ensuite. Ensuite, il demande au couvent des Cordeliers, qui se trouve juste dans cette rue évidemment, l'allocation d'une salle, ce que les Cordeliers refusent, mais ils y sont obligés par un arrêt du Parlement qui, là aussi, répond aux vœux du roi. Les rois sont apparemment extrêmement sensibles à cette affection masculine terrible dont on mourait dans d'atroces souffrances. Alors on dit évidemment qu'ils y étaient particulièrement sensibles parce que eux-mêmes usaient particulièrement de l'organe frappé par cette maladie. Notamment, ça se disait d'Henri IV. Donc les rois voulaient avoir toujours un chirurgien capable de pratiquer l'extraction de la pierre auprès d'eux, et donc ils ont favorisé le développement de cette corporation de chirurgiens, et ils ont orienté leur formation, leurs cours et la diffusion de leur savoir vers le savoir concernant cette opération. Alors, nous sommes en 1610, donc les Cordeliers acceptent de louer cette salle à Pinault. Il y renonce d'ailleurs peu de temps après parce qu'il veut davantage de confort et il veut aller jusqu'au bout de ce que la faveur royale peut lui procurer, et il demande à l'autorisation de construire un théâtre d'anatomie. Je répète, c'est le terme qu'on utilisait, qui venait d'Italie, où il y avait déjà des salles construites de cette façon, et le modèle utilisé va être le modèle de Padoue, en particulier. Donc, en 1615, un contrat est signé entre la Corporation des chirurgiens et les Marguilliers de la paroisse Saint-Côme pour obtenir des terrains suffisamment important pour faire cette construction. Le contrat est homologué par le Parlement, tout ça est contrôlé par l'État, et les conditions sont toujours les consultations gratuites un lundi par mois pour les malades pauvres. Le contrat va se prolonger très durablement. Mais là, le progrès veut que non seulement nos chirurgiens vont avoir le droit d'exercer des démonstrations d'opérations chirurgicales, des démonstrations d'anatomie, mais ils vont avoir un droit nouveau qui est très important à leurs yeux, c'est d'y faire des lectures de leurs traités, des comptes rendus de leur expérience personnelle qui vont compléter la démonstration par la vue. J'aimerais ajouter d'ailleurs la vue et le toucher, car à chaque fois qu'on décrit une démonstration, on dit que les élèves doivent non seulement regarder, mais venir toucher les organes présentés pour en avoir une connaissance intime, puisqu'on dit que ce sont les gens de la main, hein, ils guérissent par leurs mains. Alors, je passe les détails sur la construction de l'édifice. Les chirurgiens se sont cotisés entre eux pour payer cette construction, et d'après la somme qu'ils ont versée chacun, on calcule qu'elle a dû revenir entre 6 000 et 8 000 livres. Voilà. Alors, le grand succès de cette première construction, dont nous n'avons pas de dessin, nous avons des descriptions, mais les descriptions sont assez sommaires. On sait que la salle a une pente donc très élevée, comme un amphithéâtre, mais sans siège assis, qu'il n'y a pas encore d'ouverture, d'aération,
le modèle de Padoue ne comprenait pas d'aération et qu'il y a une table donc au centre de cette demi-sphère où les démonstrations se font et qui doit être parfaitement visible de tous les hommes présents dans l'amphithéâtre. Le grand succès, c'est d'inscrire le nom collège, collegium, sur le fronton, qui est un terme noble, car évidemment, dans l'innovation de cette construction et de cette nouvelle méthode pédagogique qui succède aux anciennes méthodes médiévales qui consistaient à organiser des disputes, comme on dit, c'est-à-dire des débats contradictoires entre partisans d'une thèse ou d'une autre, c'est-à-dire des confrontations purement abstraites, et bien là, la pédagogie consiste à montrer, encore une fois, à voir, à toucher et à constater de très près ce qui se passe. Alors, face à cette, pour résumer ce début, face donc à nos chirurgiens, on va retrouver la faculté de médecine qui n'a de cesse de passer devant les chirurgiens, mais qui n'y parvient pas. Alors, Pinault est entouré d'une équipe, autre innovation. On assiste, enfin, autre nouveauté, disons, hein. Je ne sais pas s'il a eu conscience de cette innovation, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On assiste à la présence d'un groupe, je n'ose pas dire d'un pool ou d'un laboratoire. C'est vraiment comme un laboratoire de recherche, puisque Pinault entre dans une équipe professionnelle, une équipe de chirurgiens, et aussi dans un clan familial. Car il va non seulement recevoir des connaissances de chirurgien de la famille Collot, mais il va épouser une fille Collot, Geneviève Collot, et il va donc, encore une fois, être non seulement dans un réseau professionnel et technique, mais dans un réseau familial, avec une très grande solidarité qui va dynamiser leur projet. Et par ailleurs, cette sphère professionnelle et familiale est au contact étroit, comme vous l'avez compris, de la sphère royale sur plusieurs règnes et sur, nous sommes à l'époque des guerres de religion, donc cette corporation, ce groupe professionnel et familial va traverser les guerres de religion sans qu'il y ait de mort, sans qu'il y ait d'assassinat, sans qu'il y ait de perte, en dépit de la très probable appartenance de certains d'entre eux au protestantisme. L'un des chirurgiens royaux, dont je parlerai après, d'après ce que j'ai lu, a été protégé au moment de la Saint-Barthélemy. On a dit non, celui-là, on n'y touche pas. Le roi a dit mon chirurgien, on n'y touche pas, je le veux avec moi. Bon, alors entre-temps, l'édit de Nantes arrive et les choses s'apaisent, mais c'est quand même une période extrêmement violente et les chirurgiens vont d'ailleurs sur les champs de bataille, ceux qui pratiquent d'autres spécialités, notamment pour les problèmes de cautérisation et d'hémorragie, donc ils apprennent de nouvelles techniques de ligature sur les batailles. Mais à ma connaissance, Pinault ne va pas sur les champs de bataille, ses collègues y vont, mais pas lui. Voilà. Alors, après avoir évoqué cette équipe, je vais même vous donner les noms, parce qu'il y a un texte de Pinault dans un de ses ouvrages, un de ses opuscules d'anatomie, où en 1579, il décrit une séance d'anatomie dans son amphithéâtre, et il cite tous les spécialistes présents. Donc on a un portrait complet, à moins qu'il en ait oublié, des chirurgiens de son époque. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a une hésitation sur sa date de naissance. Voici une petite pause, un autre frontispice. Et vous voyez bien qu'il se revendique comme chartrain et parisien. Chartrain d'origine, mais parisien pour sa carrière. Et voici, je vous ai mis aussi une page du texte du privilège, donc en français.
les ouvrages étaient rédigés en latin. Il en a rédigé un en français, mais on lui a aussitôt demandé de le traduire en latin, car on ne voulait pas que la précision très réaliste et très radicale, évidemment, de ces traités, quand on traite de gynécologie et d'urologie, on touche des zones sensibles, et par conséquent, on a exigé qu'ils traduisent en latin pour que la diffusion reste dans le milieu médical. Voici des pages, donc telles que tu as pu les voir à Tours. Quelques chapitres adressent au lecteur. Alors là, je n'ai pas trouvé de dessins, je n'ai pas pu faire de clichés, de portraits de Pinault, mais j'en ai deux autres à vous montrer. André Dulaurens, le premier chirurgien du roi Henri IV. Donc le grand patron. Voilà, le grand patron. Donc on va rester. Et puis là, vous avez un Collot, Philippe Collot, dont Pinault a épousé la nièce. Alors, dans cette fameuse description du personnel médical de l'époque, je vous donne quelques exemples. Donc, le cadavre commença à être anatomisé, c'est le terme qu'ils utilisent, par Monsieur d'Amboise, en présence de messieurs les chirurgiens ci-dessus nommés. Il y avait messieurs Robert Guignard, doyen, Nicolas Langlois, François Desneux, Guillaume Dubois, chirurgien du roi, Ambroise Paré, premier chirurgien du roi, Louis Lebrun, Jean d'Amboise, etc., etc. Nous, Séverin Pinault. Et alors, par exemple, on a Jérôme Delanoux, chirurgien de la reine-mère, Catherine de Médicis, Pierre Cheval, Urbain la Balestrier, etc., et Jacques Guillemot, chirurgien du roi. Il dit aussi, il ajoute, il y avait aussi les écoliers et bacheliers en chirurgie, donc un Philippe Collot. Ensuite, mais Philippe Collot 1, 2, les générations ont gardé le même prénom. Ensuite, il cite des invités. Le roi avait fait venir pour cette séance extraordinaire des chirurgiens de l'université de Montpellier, M. Barthélémy Cabrol, par exemple, et M. Laurent Joubert, qui se trouvait à Paris, dit Pinault, à par ordre du roi. Et puis quelques étudiants en médecine, etc., etc. Alors, parlons maintenant de cette technique d'opération de la taille où il y a non pas une invention mais un perfectionnement et une sorte de, comment dirais-je, d'automatisation de la pratique tellement Pinault et ses collègues en ont pratiqué. Donc la taille, extraction de la pierre, gravelle, qu'on appelle colique néphrétique maintenant. Alors le serment d'Hippocrate interdisait l'opération de la taille à ses élèves pour deux causes. Il ne fallait pas confondre les élèves avec des charlatans, car il y avait effectivement prolifération de charlatans qui prétendaient réaliser l'opération, qui trempaient un caillou dans le sang du malade qu'on avait déjà bien travaillé et qui faisaient semblant de présenter une pierre qu'ils avaient extraite. Donc c'était la première raison pour laquelle on interdisait cette pratique. Et la deuxième, c'était que les plaies de la vessie étaient réputées mortelles. Elles l'ont été jusqu'au XVIIIe siècle. Alors voici la description du processus de l'opération. Une promenade pour aider la pierre à descendre. Allonger sur une table le personnage. Le maintenir par quatre aides puissants. Un doigt préalablement trempé dans l'huile introduit dans l'anus, l'autre main appuie sur la partie inférieure de l'abdomen, puis lorsque la pierre est sentie, incision entre l'anus et le scrotum pour extraire la pierre. Beaucoup meurent d'hémorragie ou d'infection, parfois même d'une crise cardiaque tellement la douleur est forte. Alors, on sait que Montaigne, qui était atteint de cette maladie, n'a jamais voulu recourir à l'opération. Il préférait suivre des cures thermales, mais il en est mort. Il est mort de cette maladie. Voilà.
Voilà. Alors, comment Pinault avait-il appris cette technique? Il l'avait apprise d'un colo, qui lui-même l'avait apprise d'un médecin romain qui voyageait en France et qui connaissait cette pratique, qui l'avait apprise en Italie, qui lui-même l'avait reçue d'un intermédiaire entre l'inventeur, un médecin d'origine italienne qui l'avait mis au point en 1525. Donc cette connaissance était jusqu'aux événements dont je vous parle secrète, c'était le secret de famille qu'on se transmettait, et c'est pourquoi Pinault, alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a épousé Geneviève Collot, mais en tout cas c'est ce qui lui a permis d'accéder au secret. Voilà. Ça, c'est des affaires qu'on rencontre dans d'autres domaines de la vie économique, bien entendu. Alors, autre aspect, donc, autre élément qui caractérise donc l'aspect innovateur et l'aspect de découvreur de Pinault, c'est la découverte donc d'un petit phénomène physiologique qui survient au cours de la préparation de l'accouchement, au cours d'une phase de l'accouchement, la phase qui précède la sortie de l'enfant. C'est l'observation de l'élargissement des os du pubis, des os iliaques notamment, qui s'écartent pour aménager le passage de la tête de l'enfant. Et ça, certains chirurgiens avant Pinault disaient que peut-être oui, etc. Mais Pinault le démontre. Et encore une fois, nous avons la chance d'avoir un récit de lui dans un de ses ouvrages qui évoque la séance où il a pratiqué cette démonstration. Il se trouve qu'il y avait, il a eu l'opportunité, vous savez qu'on prenait parfois des condamnés à mort, enfin des gens exécutés pour les dissections, et il a eu l'opportunité, toujours au cours de cette fameuse séance de 1579, ce qui est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, évidemment, un petit peu de suspense, mais ça explique que le roi avait invité de grands chirurgiens de Montpellier à venir assister parce que Pinault avait dû lui dire qu'il allait faire quelque chose d'important ce jour-là. Et effectivement, donc, il dissèque, enfin, il pratique la dissection d'une jeune femme de 24 ans qui avait été pendue quelques jours avant, juste après avoir accouché. Elle avait accouché 8 jours avant sa pendaison. Et elle avait été condamnée à mort parce qu'elle avait mis fin à la vie de son enfant juste après sa naissance. Et elle avait été donc condamnée à mort pour cette raison et exécutée. Et justement, le squelette de cette jeune femme présente donc un bassin encore élargi qui ne s'était pas replacé après l'accouchement. Et là, tout le monde est obligé de dire, eh bien oui, c'est Pinault qui a raison. Et dans le public, qui est là? Bien, tout simplement Ambroise Paré. Ambroise Paré qui est l'aîné de Pinault. Donc Pinault a été l'élève d'Ambroise Paré à une certaine époque, mais à un autre moment, là, ce jour-là, c'est Ambroise Paré qui suit le propos, la thèse de Pinault, puisqu'il a sous les yeux l'éclat de la vérité. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de vous le lire, oh là là, mais Ambroise Paré écrit un commentaire rédige un commentaire de cette séance, et il dit, je ne voulais pas le croire, je disais que ce n'était pas le cas, mais j'ai touché, je le sais, et il faut que la vérité éclate. Ça aussi, c'est un aspect apparent intéressant dans la recherche, car il faut accepter que la recherche, de temps en temps, fasse des pas en avant, des pas en arrière, et admette ses erreurs. Voilà. Donc voilà cette découverte de Pinault. Et du coup, il... Alors là, on passe à invention. Du coup, il invente une technique pour forcer cet écartement lorsqu'il ne se produit pas naturellement. Donc il pratique une incision sur les ligaments qui relient les os du pubis, qui donc une fois tranchés peuvent s'écarter plus facilement. Voilà. Alors cette opération elle est extrêmement controversée aujourd'hui. Alors moi, j'ai lu dans certains sites médicaux qu'elle serait interdite aujourd'hui et qu'on lui préfère
aujourd'hui où on pratique la césarienne sans risque, de la pratique de la césarienne. Mais à l'époque de Pinault, la césarienne était infiniment plus dangereuse que cette opération-là et elle pouvait être pratiquée. Mais il dit bien lui-même qu'il n'y recourt que vraiment lorsqu'il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement. Voilà. Dernier point, l'œuvre. Attendez, Philippe Collot. Donc, alors, voilà, Ambroise Paré. Est-ce que je peux vous montrer quelques dessins? Alors voilà le fronton qui reste de. Alors, c'est pas l'amphithéâtre de Pinault, hein, c'est le troisième. Mais Pinault est l'innovateur. Hein, en matière de pédagogie pour cette nouvelle façon d'enseigner. Et là, il sert à autre chose, mais il sert encore à enseigner, bien entendu. Alors voilà, bon, quelques images. Voilà à quoi ça ressemblait. Les gens n'étaient pas assis, comme vous le voyez. Mais tout le monde voyait. Alors le modèle padouan a été amélioré après. Voilà, le théâtre anatomique, effectivement, il faut savoir que théâtraliser l'enseignement de la chirurgie lui donne une noblesse, un éclat, une respectabilité que les chirurgiens n'avaient pas, puisque les chirurgiens, c'était aux yeux de la population les barbiers, les arracheurs de dents, hein. Bon, ou ceux qui amputaient dans les champs après un accident à la faux, etc. Et il y avait cette volonté aussi de montrer la dignité de cette nouvelle discipline qui devait faire ses preuves à côté de la médecine. Alors, voilà mes petites images. Un petit peu difficile. Donc voilà le placement après la promenade donc du patient pour l'opération de la taille sur cette grande table et les aides musclées qui le tiennent à côté. Attention, la suite n'est pas plus facile. Alors voici plusieurs façons de faire. Il y avait une façon de faire, vous voyez, sur les genoux, entre les genoux d'un chirurgien avec les autres qui opéraient. Et là, la fameuse pratique qui s'est banalisée donc à l'époque de Pinault et de son cercle. Et voilà l'opération. Donc incision, ensuite aller chercher dans l'incision à l'intérieur donc l'objet à extraire. Et ensuite, soit l'extraire entier, soit le briser et l'extraire par morceaux. Et voilà des os. Et il y a des bassins donc, qui sont présentés donc, aux élèves. Alors, j'ai mis à côté une petite manifestation de femmes en Islande qui manifestent contre la pratique obstétrique dont j'ai parlé à cause des conséquences qu'elle entraîne. Hein. Apparemment, c'est toujours polémique. Et puis là, l'amphithéâtre de apprentissage de l'accouchement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Merci beaucoup Juliette, je ne sais pas si après avoir vu toutes ces images, nous aurons tellement envie de recourir aux soins de ce vrai Pinault. Mais enfin, ses contemporains étaient probablement pires, oui. On ne demandera pas le pourcentage de réussite dans les opérations. Non. Et on ne sait pas. Alors, effectivement, il y avait, comme je l'ai dit, des gens qui mouraient pendant l'opération, aussi des suites par hémorragie. Pas tellement infection, d'après ce que j'ai lu, plutôt hémorragie. Alors, la technique a été, après Pinault, avec les colos 2, 3 et 4, répartie en deux séances. Première séance, l'incision, et deuxième, et 8 jours après, l'extraction. Pour répartir le choc. Voilà. Oui. Et oui, on avait... Voilà. Alors aujourd'hui, ça se soigne autrement, mais c'est vrai qu'on... Merci beaucoup, Juliette. Pardon, non, madame. Non, à cette époque-là, on ne sait pas faire. Non. Non. Recousu. Recousu, oui. Oui, recousu, oui.
quand même. Mais... quand même. L'anesthésie, c'était l'alcool qui permettait d'accepter de se faire attacher. Non, ce qui est très intéressant, c'est la fidélité des rois. Mais alors, effectivement, il semble que cette maladie était tellement terrifiante que les rois voulaient avoir... Et ils avaient d'ailleurs plusieurs spécialistes autour d'eux, de manière que quand l'un était appelé à l'étranger, on les appelait de très très loin, dans des cours notamment, parce qu'évidemment, ils étaient très chers. Ils se sont extrêmement enrichis, évidemment. Et donc, il fallait toujours qu'il y en ait plusieurs prêts à intervenir auprès d'eux, malgré la terreur que suggérait l'idée même de se faire opérer. Oui. Monsieur. La cotérisation des plaies n'existait pas. Alors, d'après ce que je crois savoir, n'étant pas spécialiste de médecine, vous en doutez bien, c'est justement les guerres de religion qui ont modifié le problème des hémorragies, ont cotérisé avant et on a ligaturé. D'après ce que j'ai lu, on a expérimenté de ligaturer les vaisseaux, justement sur certains champs de bataille des guerres civiles religieuses au XVIe siècle. Oui, oui, c'est plus efficace et moins dur. Oui. Oui. Alors, je n'ai pas connaissance de mort royale due à une opération. Mais le médecin est comme le chirurgien, une obligation de soins, il n'a pas une obligation de réussite. Hein. Oui. C'était déjà comme ça. Mais finalement, alors, il y a un humoriste dans une revue médicale que j'ai consultée qui a dit, bah oui, Henri IV n'a pas voulu se faire opérer de la pierre et il est mort en 1610. Certes. Certes. Je vous assure que j'ai lu ça. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, nous allons passer au XVIIe siècle, puisque M. de Valence va nous parler des intellectuels et des inventeurs d'Orléans dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des circonstances de leurs inventions et de ceux qui ont